Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Deviant Moon Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 4 de denier, le jugement, l'ermite, vous êtes là les vierges, le roi d'épée, le diable et pour finir, le 3 de coupe. Alors, trois arcanes majeures dans votre tirage, donc la moitié du tirage en arcane majeure, des énergies assez fortes qui vont peut-être s'étendre au-delà de cette quinzaine, peut-être démarrer avant, s'étendre un peu après. Des énergies fortes aussi, les arcanes majeures, elles parlent je vais y arriver. Elle parle de vous-même en fait, enfin elle parle de nous, les arcanes majeures, elles montrent nos facettes intérieures, c'est un voyage initiatique, les arcanes majeures, donc il y a un caractère existentiel profond dans les arcanes majeures. Et vous avez l'arcane de l'ermite qui est le vôtre, donc vous êtes là et j'aime bien vous voir ici parce que ça c'est votre la position de votre état d'esprit, donc vous êtes quand même pleinement vous-même pendant cette quinzaine. Et les deux autres arcanes majeurs, le diable et le jugement, il y a vraiment un dépassement à opérer, le fait de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, d'une substance toxique, d'une addiction, d'une relation ou d'un schéma à l'intérieur de vous. Mais j'ai du renouveau, le jugement c'est le renouveau, c'est la résurrection, c'est la libération et vous en avez vraiment vraiment envie. Il y a quelque chose là où vous avez envie de vous déployer en fait. Alors, avec un 3 de coupe en résultat, j'ai quand même tendance à dire que vous allez avoir il y a quelque chose de fun au final qui amène de la légèreté, de la célébration, quelque chose de joyeux, de festif, qui permet très certainement ce déploiement auquel vous aspirez. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 4 de denier. Une énergie de prudence, de stagnation. On n'est pas tellement en mouvement avec le 4 de denier, on est attaché. On est attaché à ses valeurs profondes, on prend son temps, on fait attention à ses finances, on fait attention à tout ce qu'on a bâti, construit, amassé jusqu'à présent et qui nous amène une zone de confort en fait. Donc vous êtes... je vois ce personnage qui regarde derrière, qui regarde sur la gauche, qui regarde le passé en fait. Et accompagné d'un autre personnage qui me fait penser au personnage de la mort. Vous êtes quand même en train de vous transformer ou vous êtes en train de transformer quelque chose. Il y a peut-être d'ailleurs une décision à prendre. Est-ce que vous avez quelque chose à communiquer? Est-ce que vous attendez une communication, mais une communication quand même assez décisive pour aller de l'avant? Mais dans cette transformation, vous... Il y a une transformation qui vous a, vous voyez cette mort comme elle a pris sous le bras ce personnage. Il y a une transformation qui vous a déjà pris sous le bras en fait, qui est déjà en route, qui est déjà en chemin. Ça fait déjà un petit moment que ça a démarré. Vous aimeriez bien d'ailleurs que le processus s'achève plus vite. Parce que ce processus de changement et de métamorphose,
Vous êtes encore accroché à l'ancien. Alors, est-ce que c'est, une fois encore, hein, est-ce que c'est vraiment dans du matériel, du financier, peut-être que vous avez, j'en sais rien, vous avez déménagé et puis vous êtes encore attaché à votre ancien lieu de vie, vous avez du mal à tourner la page, ou vous avez décidé de changer de travail et puis vous êtes en train de faire une reconversion professionnelle. Vous savez que c'est bien, vous savez que ça vous appelle, vous savez que le jugement, là, c'est j'entends l'appel, j'entends l'appel de ma mission de vie, je sais que je dois être à tel endroit, je dois faire telle chose, je dois être avec telle personne, il y a une forme d'évidence. Vous avez envie d'écouter, de suivre cette évidence. Vous avez envie d'entendre une forme d'évidence. Mais à travers ce changement, vous avez encore un pied dans l'ancien et vous n'êtes pas rassuré d'aller dans ce renouveau, parce que qui dit renouveau avec le jugement dit aussi dénuement. C'est-à-dire qu'on a, c'est des morts qui sortent de tombes. Il y a le fait de lâcher, d'être mort symboliquement, complètement à quelque chose pour pouvoir ressusciter, pour pouvoir renaître. Et on a souvent des personnages qui sont nus. Donc il y a l'idée de laisser les anciennes peaux derrière soi. Alors, vous aspirez à ça. C'est toujours pareil, je veux dire, vous, moi... n'importe quel être humain, on est quand même attaché à nos repères. Donc même si on aspire à du changement et à suivre quelque chose qui nous appelle profondément, c'est normal de ne pas être super rassuré, de lâcher des choses qui nous ont apporté une structure pendant un moment. Comme dit l'adage, on sait ce qu'on quitte et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Alors quand bien même il y a une voix qui nous claironne dans les oreilles, c'est fait pour toi. Mais on a envie d'avoir de l'assurance dans la matière. Alors votre état d'esprit, vous vous sentez quand même vous-même, puisque c'est votre carte et c'est votre énergie. L'ermite, c'est une énergie très besogneuse. Donc, il y a peut-être du renouvellement dans la matière, dans le travail. Le diable aussi est une carte de matérialité, de travail, d'argent. Maintenant, vous l'avez en challenge. Donc, c'est soit attention pendant cette quinzaine à ne pas être dans un trop-plein de travail qui va vous fatiguer. Attention à ne pas peut-être vous renfermer aussi dans le travail et à oublier de profiter de l'environnement, de votre entourage, de votre famille, de vos amis. Bon, j'ai pas la sensation que vous oubliez complètement, puisque vous avez l'entourage, l'amitié, les festivités, des moments joyeux et agréables qu'on partage avec d'autres personnes, vous l'avez en résultat. Mais il peut y avoir beaucoup de boulot. J'ai une notion de repli, là. La position de cet homme qui tient fermement, replié sur lui, qui tient fermement ses deniers, la position de ce personnage replié aussi sur lui, l'ermite, c'est quand même une énergie qui dit je suis bien dans ma solitude, je suis bien dans mon retrait, je suis bien dans ma grotte. Votre état d'esprit, il n'est pas trop à l'ouverture. Pour autant, vous avez envie que les choses changent. Mais vous êtes quand même dans une posture un peu repliée. Et repliée sur vous, repliée sur des activités, sur des occupations, sur un état d'esprit, mais repliée. Et en challenge, ce diable peut justement marquer ce repli, de se sentir replié, soit parce qu'on est son propre diable, on se replie sur soi et on participe pas, on freine un peu contre... on va un peu à l'encontre de cet appel, de ce renouvellement. Ça peut être aussi un repli pour se protéger parce qu'il y a quelque chose de toxique dans votre environnement, et tu m'étonnes que vous aspirez
à du renouvellement parce que vous voulez vous sortir d'une situation toxique, vous voulez vous sortir d'un environnement toxique, vous voulez vous sortir d'une attitude que vous avez peut-être vous-même qui est toxique. Ça peut parler d'addiction, dans quelle mesure vous voulez vous libérer, vous sevrer du tabac, de l'alcool, de l'addiction au travail, au jeu ou je sais pas quoi d'autre. Le diable peut me parler de rapport dominant-dominé, d'un contrôle. Est-ce que c'est vous qui subissez le contrôle? Est-ce que c'est vous qui cherchez à contrôler l'environnement en étant justement dans ce repli? Il y a quelque chose là à laisser aller, à exorciser, à peut-être quelque chose qui est contenu aussi. Ceux qui ont du feu à lâcher. Vous avez peut-être un peu de mal, peut-être à laisser s'exprimer une forme de passion, peut-être de séduction, ou peut-être même d'énergie vive type colère, hein, mais un truc où on a besoin que ça pète. Alors est-ce que ça vous a pété à la figure et vous êtes en mode je m'en protège et vous avez besoin de sortir de ce trop plein de protection pour retrouver quelque chose de joyeux? Est-ce que au contraire vous avez trop pris sur vous et vous avez besoin de vous lâcher avec le côté sulfureux, magnétique, séduisant du diable, mais vous avez du mal à vous lâcher? Voyez comment ça résonne pour vous. Je vous ai donné les différentes possibilités. Prenez la météo qui convient plus justement à votre situation. Quoi qu'il en soit, ce qui vous aide, c'est peut-être d'exprimer clairement, de trancher, si vous hésitez entre plusieurs options. Le roi d'épée, c'est quand même celui qui ordonne, qui impose. Si vous vous sentez lié à votre environnement sous la coupe d'une autorité extérieure, là on vous dit reprends ta propre autorité. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour incarner ce roi d'épée qui ordonne, qui impose, qui dit ça oui, ça non, qui clarifie les situations, qui passe une situation aussi au crible de l'analyse, de la logique, de la raison. Attention peut-être s'il y a quelque chose qui vous appelle fort, à ne pas vous lancer en prenant des risques inconsidérés. Le diable en challenge, il peut être borderline quand même. Il va prendre des risques, mais des risques franchir la ligne rouge de la légalité ou se mettre en danger, jouer avec le feu quelque part. Donc attention si vous vous sentez attiré par ce genre d'énergie, attention à ça. On vous dit au contraire, prends les choses posément. Il peut être rapide ce roi d'épée, mais ne prends pas de risques inconsidérés. Lui, il est très avisé. Donc soyez intelligent, soyez avisé, et puis ça peut représenter un expert en son domaine. Faites-vous conseiller si vous avez besoin d'avancer dans une situation, qu'il s'agisse d'immobilier, d'investissement financier, de travail ou même du relationnel. Si vous n'êtes pas vraiment rassuré, faites appel à un expert ou une experte, même si c'est un roi, ça peut être très bien être une femme, mais quelqu'un de très avisé qui saura vous donner des conseils judicieux pour opérer du renouveau, pour vous lancer dans une nouvelle aventure, pour laisser quelque chose derrière vous, pour investir judicieusement, pour pas vous mettre, à mal dans les efforts que vous êtes en train de fournir. L'ermite, il cherche à faire la lumière, il cherche à éclaircir les choses, à comprendre le passé, à comprendre d'où je viens pour
pour mieux saisir où j'en suis au présent et du coup, comment je me projette sur l'avenir. Donc, vous avez en force cette capacité d'avoir cette vision claire. Et si vous avez du mal à faire ça tout seul, faites-vous aider de quelqu'un qui saura vous apporter les éléments qui vous manquent pour voir clair. Ok ? Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour avec le diable. Les risques inconsidérés, le... Si vous vous sentez super passionné, super attiré par quelque chose ou par quelqu'un, vous pourriez gagner cette semaine à ne pas montrer à quel point vous êtes... j'ai le mot envoûté qui me vient. Alors, ça ne sera pas pour toutes les vierges, mais si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous postulez pour un boulot ou si vous portez un projet ou vous faites une proposition pour une maison, des fois, quand on veut acheter un bien immobilier, pour faire une bonne affaire, on a tout intérêt à ne pas montrer à quel point c'est le gros coup de cœur. Parce que si le vendeur voit à quel point vous êtes intéressé, il peut tenir bon sur le prix, pas vous faire de fleurs, voilà. Alors que si vous affichez, et là on peut vous conseiller dans un registre comme je viens de décrire, d'afficher une forme d'impassibilité. Le roi d'épée, on ne sait pas ce qu'il ressent. Il est dans la logique, il maîtrise les choses dans la communication, dans la pensée, dans la rationalité, dans la logique, mais le côté émotionnel, sentimental, il ne montre absolument pas. Il cloisonne. Donc vous pourriez, ceux qui se sentent concernés par ce que je viens de dire, vous pourriez avoir des choses à gagner, à ne pas montrer à quel point vous êtes tenté. Par quoi, par qui, ça, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. En résultat, il y a quelque chose de très sympa. Est-ce que on célèbre quelque chose avec le 3 de coupe? Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup bossé, il y a des réjouissances à la clé? Est-ce que c'est la célébration d'avoir pris une décision, d'avoir répondu à un appel, d'avoir communiqué clairement, d'avoir dit quelque chose. Ça peut être des retrouvailles aussi. Le 3 de coupe, je vais y arriver, peut me parler de retrouvailles. Donc si vous vous sentiez seul jusqu'à présent, il y a du changement dans le fait de retrouver une ou plusieurs personnes et de prendre beaucoup de joie là-dedans, beaucoup de plaisir là-dedans. Bon, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Une jolie conclusion pour ce tirage. Alors, en conseil, vous avez Nodise et les Valkyries. Nodise vous dit « Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines ?» Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Vous concentrer sur vos besoins essentiels, sur qui vous êtes profondément, c'est quand même votre état d'esprit. Et trouver la force et la patience nécessaires de vous en libérer, l'ermite, il est patient, il est besogneux, il sait prendre son temps, et la force, le roi d'épée, il a ce qu'il faut. Les Valkyries vous disent, use de ta force, on vous parle deux fois de force, use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse, c'est ce roi d'épée encore. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Je vous parlais de transformation qui était à l'œuvre. Voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.